Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine et Myriam. Yo. Aujourd'hui, grosse chasse aux fournitures scolaires, surtout que nous aussi on reprend l'école. D'ailleurs, j'avais un message à faire passer à tous les abonnés qui vont reprendre l'école. Bientôt l'école. Mais toi aussi l'école. 8h du matin. Arrête. Même nous on reprend l'école, on vous dit pas c'est l'école de quoi, mais vous allez voir dans la vidéo, on vous dira ça après. Vous êtes prêts? C'est parti. Let's go. Hey, l'été c'est incroyable parce que tout le monde est en vacances, les centres commerciaux et tout, il y a personne, elle est belle. En plus là, il y a un chariot en liberté. C'est sûr, c'est un piège, les gars. Touche pas. Hey, touche pas, Myriam. S'il y a un chariot comme ça au milieu, c'est qu'il est piégé. Quoi? Vas-y, prends-le, essaye de l'utiliser pour voir si sur la roue elle est pétée ou. Prends-le, Yacine, essaye de l'utiliser. C'est même pas qui a mis ses mains dessus. Laisse-moi regarder. Ça se trouve, c'est un mec, il a un Covid plus une tendinite. Alors? Ça va, ça a l'air d'aller. On le prend? Ouais, les gars. Normalement, faut pas prendre. Hein. Ne jamais prendre les trucs d'un inconnu. Imagine dans le magasin. On prend pas. Vas-y, bah on fait confiance à son instinct. Quel bonheur la clim dans les magasins. Je crois que je vais dormir ici, Yacine. Hein? Rien, laisse tomber. On reprend l'école de la famille avec Yacine. C'est pas l'école française. Donne-leur un indice. En gros, c'est une école qui dure, on va dire, un jour par semaine. Et à 2 heures par... J'espère qu'on sera dans la même classe, ça. Non, moi, j'espère pas. Pourquoi? Je sais pas. Comme ça, dans les intercollèges. Dans les interclasses de foot, je vais l'arracher. Okay. On est au magasin, on dirait on revient en enfance. Ma mère vient de rencontrer une de ses copines. On a parlé pendant la une heure. On est au milieu du magasin. Oh, pendant une heure ils vont parler. C'est sûr, non, on va devoir attendre. Myriam, il parlait de quoi? L'école ou je sais pas quoi. Moi, pour mon retour à l'école, je veux vraiment ça. Regardez ce qu'il a trouvé, la masterclass. Le meilleur classe. Hey, mais t'as un classeur comme ça, frère. Mais moi, je peux pas écouter le prof. Je vais faire que de regarder. Regardez, il y a qui? Il y a Son Goku. Tu sais, moi, Végéta. Je vais faire quoi? Je vais prendre une feuille, je vais décalquer. Ah ouais, pendant que t'es en cours. Eh hey, mais vraiment, faut pas que ça dans ma classe, t'en vas être collé. Il coûte combien? Je sais même pas. Moi je pense qu'il doit coûter 5-6 balles. Hein. Quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé un truc. Je connaissais une personne qui était venue à la rentrée avec comme fourniture scolaire, un paquet de copies doubles et un stylo 4 couleurs. Arrête. Si, je te promets, c'est vrai. Il s'appelait Karim, toi aussi tu connais. Et ça, je sais pas si j'en prends, mais toujours c'est les intellos. Sur chaque cahier, ils ont leur nom, leur prénom et la classe. Comme ça, tu peux pas leur péter à leur cahier. Moi je mettais tout le temps ça, moi. Si, c'est vrai, tout le temps je m'en mettais. Et parce que moi je suis pas content parce que ces gens-là, jamais ils nous prêtent un crayon, une feuille, toujours ils disent non. Bah c'est normal, oh, vous regarde maintenant, voler. 2022, ils ont mis directement les noms des intellos. Agathe, est-ce qu'il y a des Younes? Est-ce qu'il y a des Yacine? Est-ce qu'il y a des Karim? Non, c'est que les intellos, c'est que des Alexis, Anna, Camille, Charlotte. Ça se fait pas, vraiment, ça se fait pas. Ryan. Ah, il y a un Ryan. Là. On est d'accord que les meilleures règles, c'est ceux-là, c'est des incassables. Les flex. Mais regardez, ils ont marqué Shatterproof. Ça veut dire quoi? Shatterproof. Ah, c'est-à-dire en mode incassable. Ah, en anglais, d'accord. Mais prenez toujours celle-là, hein. Comme ça tu peux même les tordre. Jamais elles vont se tordre. T'as ce packaging-là, à la rentrée, t'es le king de l'année. Hein. Ah, t'es boss. T'es mal, couleur gris, rose, bleu. T'es boss. 5 euros quand même. Hein. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous êtes team 4 couleurs ou team stylo normal? Toi, t'es team quoi, toi? Moi, je te dis la vérité, j'aimerais bien avoir des 4 couleurs, mais j'ai jamais eu 4 couleurs. Hein. Ah ouais? Toujours stylo normal. Hein. Moi, j'avoue, je préfère stylo normal aussi, perso, parce qu'il est trop gros. Ah, mais gros, t'as ce packaging là à l'année. J'avoue, t'es le boss. Oh, le banger, regardez l'école. La dernière c'était Pokémon. C'est pas ça, c'est ça toi. C'est quoi cette fois-ci? Fais voir. Là c'est. Est-ce que tu connaissais quoi comme dessin animé? Les Looney Tunes. Ouais voilà. Tu connais même pas. Si je connais. Ça le bolos. Chez les enfants on a deux teams. La team cartable et la team cartable à rouler. Toi t'es ouais. Team quoi toi? La dernière c'était team cartable à roulette. Hein. Ouais, fais pas genre. Hein. J'avoue, les ispacks c'est la base. Le ispack c'est la base, j'en ai jamais eu de ma vie moi, Yacine, personnellement. Ah, c'est tous les ispacks, c'est les gens ils les mettent comme ça. Regardez, ceux qui mettent des ispacks faut les porter comme ça. Je le mets. Et là-bas, il y a les roulettes, la famille. Là-bas, pour les bébés cadom, il y a les roulettes. Mais moi, ils m'ont dit dans ma liste de fournitures scolaires, pas de gros comme sac à roulettes. Regarde, t'as vu quand tu marches? Ouais. Faut marcher comme ça. Et toujours le cartable, retourne-toi. Il finit ici avec du Tipex, avec des blazes. Ah ouais. Alors que le sac Théma, il coûte combien? 35 euros pour finir avec des blazes. Non, ça c'était Younes en époque sombre. Ouais, quand. Il marquait que des trucs. You le fou. la menace. De ouf. Moi, mes sacs, c'était toujours des trucs comme ça. Nike. En noir, bien foncé. Celui-là, il est éteint, c'est Dragon Ball Z, mais il est vraiment éteint. Ah, c'est toujours les Johnny, ils mettent ça. Ouais, regardez, avec leur chemise Hawaii. Regarde, ils sont là, les trucs des Johnny. Johnny, ils mettent toujours ça, les Johnny. Dragon Ball Z ou alors Spider-Man. Eh, vous savez, tous ces cartables-là, c'est pour les bébés cadavres. Ah, bah c'est bon, j'ai trouvé mon cartable. Ah, ouais, toujours lui, il avait des cartables comme ça, toujours. D'ailleurs, je crois que je vais le prendre. Pour les moi, je vais pas prendre ceux-là. Là, on a les agendas, mais de luxe, t'as les riches. Nous, on n'a jamais eu ça de notre vie. C'est quoi ça? Comment ils sont customisés. On a l'agenda Pokémon. Tu l'ouvres, le prof, il te dit les devoirs, frère, tu penses qu'au Pokémon, t'en as rien à foutre.
Et est-ce qu'ils ont fait des trucs genre exprès Pokémon? Non, ça va. Parce que moi, s'ils auront mis des Pokémon à l'intérieur, si, on a là. Franchement, le prof, il va me parler, j'en ai rien à foutre de ce qu'il va me dire. Regardez, il y a quoi? On a aussi quoi ici? Harry Potter. Oh, il est dark celui-là. Harry Potter. Il y a marqué quoi en dessous? Il y a des petits mots? Dans Harry Potter et les prisonniers d'Azkaban, selon le professeur Lupin, qui est le père de Harry. Mais comment tu veux te concentrer à l'école quand t'as un agenda comme ça? T'es mal, il y a même des photos dedans. Oh, j'ai de la nostalgie en hiver là quand t'es dans ton bureau, tu fais tes devoirs. Là, machallah, Swan et Neo, c'est des youtubeurs, ils ont fait leur agenda. Félicitations à vous, les deux petits frères. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est beau, hein? Ah, il y a des petits. C'est-à-dire qu'eux, ils vont aller à l'école avec cet agenda là. Ouais, la classe. Waouh. Ils ont mis des petites photos. Regarde, là, il y a Swan. Et là, il y a Neo. C'est ma manette qui a un problème, bien sûr, comme toujours. Ah, franchement, c'est stylé. Franchement, moi, les deux frères. Je kiffe, bien, c'est bien. On devrait en faire un, nous, agenda code familial. Il y a des autocollants aussi. Il coûte combien? Il n'y a pas le prix. Il n'y a pas les prix. Hein, ces agendas-là, il n'y a pas les prix. Parce que l'endroit où je passais le plus de temps, parce que regardez les prix des agendas, tu vas péter un câble. 4 euros, 6 euros, 8 euros, c'est trop cher. Regarde derrière toi, il y a quoi? Oh, les trous, jure. C'est grave dur de retrouver la bonne. Ouais, ça, c'est compliqué. Moi, j'aurais pris celle-là. T'as pris celle-là, toi. Erreur des débutants, trousse transparente. Prends une trousse grave éclatée, une trousse grave bien. Vas-y, moi, pour la trousse grave éclatée, je prends celle-là, la naf-naf. Toujours, c'était une meuf, elle avait ça, avec des grosses lunettes, comment j'aimais pas. En vrai, il y a celle-là, là, parce que ça me pense à la Coupe du Monde, vu que c'est bientôt. Tu veux voir comment elle est? Mais le problème, c'est que j'aurais fait que de penser à Benzema avec celle-là. Ah, t'aurais pas écouté à l'école. Et après, il y a celle-là, ça, il y avait un mec qui s'appelait Alexandre en primaire, il avait cette trousse-là, j'étais trop jaloux. Est-ce qu'il avait tous les meilleurs stylos? Ouais, de ouf, j'étais trop jaloux. Et toi, Myriam? Ça, c'est la pire des trousses parce que la couleur, c'est bizarre. Elle est la plus belle. Ah mais toi t'es... Oh. Le rayon des stylos, la famille avec Yacine, t'as pris quoi? Eh, si t'as ça à la rentrée, t'es le king. C'est quoi ça, Yacine, explique? En gros ça c'est des stylos fluorescents, genre avec des couleurs grave stylées, bleu ciel, bleu foncé. Mais ça c'est pour les meufs ça. Et ça, regarde ça. Oh. Les quatre couleurs comme ça, avec en or comme ça là. Et... Putain, t'es le boss, t'es le boss. Devine, ça coûte combien ces deux trucs? Là c'est vraiment le boss. 10 euros, plus, c'est... 15, moins. 13. Ouais, 13 euros. Moi, dis-toi, quand j'étais au collège, il y avait des meufs qui écrivaient des petits bouts de papier avec des trucs ouais, comme ça. Ouais, carrément. Et ils m'envoyaient des papiers genre t'es trop BG. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Réponds oui ou non. Ça, c'est le meilleur stylo. Bon, la famille, on a enfin fini ça. Qu'est-ce que c'est relou de faire les affaires scolaires. Mais je viens de penser à un truc. Il y a toujours des parents, quand tu vas acheter quelque chose, ils te disent non, ça, tu gardes ça de l'année dernière, ça aussi, tu gardes ça de l'année dernière, c'est tout neuf, etc. etc. Et au final, ils t'achètent rien. T'as grave la haine. Oh. Comme souvent. Ça va se la terminer. Waouh, une clim. Oh, la clim de fou malade mental. Waouh, on est dans un nouveau McDo, la famille, on n'est jamais venu ici. Il y a la clim. Oh, le McDo, il est immense. C'est la première fois que je vois ça. Carrément, on va se perdre. Regardez, il est. On vient d'arriver de là-bas. Il va juste. Là-bas, il y a des jeux. Non, mais là, c'est la rentrée, on se calme. Dernier McDo avant la rentrée. Bien évidemment, je sais qu'il y en a qui vont être dégoûtés parce que c'est la rentrée. Tu peux te déballer. Hein. Mais dites-vous un truc, c'est qu'il reste quelques jours de vacances. Donc profitez encore. What? C'est pas fini. Wesh, c'est quoi ces emballages? What is this? What the fuck? En plus, elle a pris ça, c'est trop bon ça, les nectarines. Ça, je kiffe. Je kiffe les nectarines, donc n'hésitez pas à profiter encore des vacances. Ça. Et à la rentrée, prenez des bonnes résolutions un peu. Alors donne-leur encore des indices pour nous, l'école, on va aller travailler à l'école. Alors nous... J'aime pas ça chez McDo. Ils mettent des trucs en papier. Mais mange, tu prends de bons jouets. En douille. Donc nous, la famille, comme vous a dit, on reprend l'école aussi. Tata. Sauf que nous, c'est pas l'école traditionnelle. Non. Nous, en mode avec... Donne-leur encore deux indices et dans les commentaires, ils doivent deviner. En gros, on genre où on va, c'est pas une école. Ouais, mais on apprend. On apprend, voilà, c'est pour apprendre. On a besoin de fournitures comme tout le monde. C'est un jour par semaine, deux ou trois heures dans le jour, je sais plus, c'est deux ou trois heures. Ça sera sûrement le soir. Ouais. Maintenant, mettez en commentaire. Ouais, mettez en commentaire, on va voir si vous êtes chaud. Dis Myriam. Vous êtes ton plus gros croc comme d'hab. Pense à la rentrée. Attends, je peux faire un truc s'il te plaît? Ouais. Laisse-moi faire un truc. Regardez bien. Je vais voir si c'est le vrai essai. Regardez bien. Ah oui, oui. Cette fois, c'est pas les frites en cette fois. Regardez bien. Tu peux venir filmer. Regardez ça là. Vous voyez ça là? Pourquoi tu fais ça avec des potatoes? Attends. Tiens, bismillah, t'as ton plus gros pro. Oh là là. Le pro de la rentrée. Après, c'est la cantine. Hein. Incroyable. Petit pois, pommes de terre. Non, poisson. C'est pas fini. C'est pas fini, fais voir, j'ai oublié un truc. Quoi? Tiens. C'est
allez. Vous allez péter votre crâne. Miskine, après les repas de la cantine pour les gens qui se sont habitués à manger pendant les vacances. Ah ouais, non. Par contre, la cantine, les donuts, ils sont bons au dessert. Il n'y a pas de donuts. Il y a des donuts au sucre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ah non, ça, c'était au lycée. Il n'y a pas de donuts. Au collège, c'est quoi déjà au collège? Petit pois. Tu sais, au collège, on avait mangé un jour des lasagnes à la viande. Nous, c'était pas halal, donc les musulmans n'ont pas mangé. Et ils ont une intoxication alimentaire. Mais c'est qu'ils étaient comme ça. Aïe. Il y a juste un truc qui est bien à la cantine, c'est le pain, là. Non, moi, ça m'arrive, je mangeais pas à la cantine quand j'étais petit, ça ira. Du coup, c'est comment ton burger? Avec la nouvelle technique, c'est bon. T'as vu? Incroyable. Bon, la famille, sinon, moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bon courage à tous pour la rentrée. Ciao.